Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour, bandeko nyonso bazolanda biso na kati ya sango ya Congo. Lelo toye na lombango na pokwa lelo kotalisa bino les trois émissaires de Kabila chez Tshisekedi. Mais pendant que le président Félix Tshisekedi est en pleine consultation, oye bandi lelo, je crois bandeko bazolanda biso partout na monde. Bon monique consultation ngo eza koleka na kati na en direct ya RTNC nde yangwa nozomona to ye awa to expliquer bino qu'est-ce qui se passe au moment où le président de la République a déjà décidé ya koleka na nzela consultation. Kabila a profité na moment na ye après que ça la intimidation ya ko blanchir accord après que ça la ba intimidation ya ko benga ba député ne pe ba sénateur na ye. Il y avait un accord signé entre Kabila et Félix Tshisekedi où il y a les témoins internationaux et les témoins nationaux. Maintenant, Kabila a montré que c'est l'échec total. Il y a un report prévoir les premiers échecs. Il y a un premier échec. Abimisi akor moko pona ko intimider ba peuple au bazar ba esprit faible na kacha ba kor o ya bimisa ki wana cher congolais cher compatriote ayeko lobake ba président africain musu baza témoin. Alors lelo o yo président décidé malgré ba appel ya Denis Sassou Nguesso parce que président lelo a sali ba tout rebelle na Congo Brazzaville o ba appelé ko benga kaye le président ba africain musu sur lokola ba Paul Kagame lokola ba Museveni o bazaba dictateur imposé na kati ya Afrique centrale o bazako travailler en collaboration avec Joseph Kabila maintenant bazako benga po acha na se. Mais le président de la République est déjà clair, consultation bandi en direct à RTNC bandeko bazola ndabi so partout so bobesi RTNC en direct bo komona ba personnalité au président Félix Tshisekedi azo déclaré na kati ba personnalité wana bazo sala ba déclaré bazo président de la République azo yamba bango. Bozo mona été na ba sortie bazo sala ba déclaration. À l'exemple cardinal Mosengo wa yambama ki par le président de la République a reconnaître le pouvoir du président Félix Tshisekedi, a reconnaître ba prérogative constitutionnelle du président Félix Tshisekedi, a lobi ki azana deux possibilités, soit appliquer l'article 69 ou zo benga président de la République l'arbitre de bon fonctionnement régulier des institutions, soit qu'appliquer article 148 au cas où il y a des crises persistantes, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, c'est d'abord cardinal Mosengo. La deuxième personne que vous avez suivie peut-être en direct, c'est Oleng Ankoy. Oleng Ankoy a sali à reconnaître le pouvoir à Félix Tshisekedi. Marguerite Bazana, même famille na Kabila, Bajé Bazako Sala, mais à reconnaître qu'il y a une prérogative constitutionnelle, le président de la République peut appliquer l'article 69 ou l'article 142. Et Bolandi Binoumo a déclaration. Il y a une confession religieuse pour l'indibino moko bananga na équipe à l'andayon président consultation bandi jusqu'à présent tozali 20 heures moins mais le président de la République a en pleine consultation batbaza koya pour te musale kenembang pe sengeli ba consultation wana ezali bobulamu pour na bino bandeko na biso bolanda biso pe bolamu pour na biso pe na bana na biso pe ba génération ba koya semana biso. Alors bozala ya kosepela. Il y aura des grandes décisions où le président de la République reçoit en direct à RTNC à Kopesabiso. Mais il y a beaucoup de temps qu'il n'y a pas consultation au président de la République. Il faut que le baba trois émissaires où Kabila a tindi parce que Zali, titre autorité au Swanabino, les trois émissaires de Joseph Kabila chez Tshisekedi. Mais il y a beaucoup de temps comme on a trois émissaires pour expliquer Bino. Bino, moi, bon, il est le matinée politique qui est animé par le président, par le secrétaire général du parti, Augustin Kabuya. Oyo batali sibino bolandi bino mo déclaration secrétaire général Augustin Kabuya aza clair alubi ke oyo koki ko aider parti a koki ko aider parce que biso pouvoir na biso tozui ezali pouvoir te o biso tozui to banda ko manifester lokola batu ya FCC ko confondre mbongo ya l'état na mbongo ya parti. Mbongo ya l'état o président Félix Tshisekedi aza chef de l'état ezali mbongo ya bata ba congolais
na logique wana ya ngozo mona nzambe akobate la président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi akogere lokola Kabila te. Président Félix Tshisekedi akogere lokola Mobutu te. Kokomisa Banque Centrale du Congo mbongo ya famille na bango. Félix Tshisekedi pona ye la Banque Centrale du Congo ezali pona mbongo ya peuple congolais. Gratuité enseignement et salema malamu. Peuple congolais azala na santé malamu. Fonctionnaire à l'État peut servir sa sécurité, va foutre ma malam. Alors, il faut que vous la part des choses que bon à l'État et à mon à l'État. Pourquoi dans le bibongo pour la voie de sa bande de roquet binomo boulandi matinée politique ou le secrétaire général a ou tu gosala n'a qu'à sa matinée ou le secrétaire général est clair que tous à fêter journée à base na qui quitte ou ils en a qu'à province abandonne mais bisso. Biso na zolo beza linga itrezo lombo communicateur na bino abeshole na kolongwa awa vendredi il est grand temps na bandeko botialo boku so ito zaki na ba moyen na linga na pesa na ba moyen na mayele na communication nanga me ba moyen zate na bandeko ba sepela bazana posa redynamisation a partir salema bazana posa président Félix Tshisekedi sa campagne peut-être en terme ya l'argent ba to ba mona biso peut-être le coste ba bino. Peut-être que je suis exagéré. Mais tu dis en termes de drapeau, en termes de banderole. Parce que après Oyananga, les 12 Jean-Marc Kabunda ont été dans le stade de Kikwit. Tu as pour sa mobilisation, parce que Jean-Marc Kabunda a été émissaire du président Félix Tshisekedi. Dès que Jean-Marc Kabunda a été à Kikwit, et que les cadets semaines, ça sera maintenant le tour du président de la République. Oyo Adolphe Mouzitu, na Martin Fayulu, ba diabolisa qui. Tribalisme na kati ki kwit binomo boza ba témoin bande konanga ke même pendant la campagne électorale le président de la république n'était pas là alors toi na posa ba soutien na bino ba soutien na bino par exemple na kadra nini na kadra ba banderole surtout bande ko ya bandundu ba mpangi ya bandundu boza na États-Unis boza na Europe na ba pays libanda muga na mfuna ba soutien na beno sambu peut prouver na monde entier que vraiment bandundu mette la masambu na obudi la président Félix Tshisekedi Maboko. Yango wana uzomona ke chaîne na biso ya Sangwa Congo tozala wana tokokende na bango parce que vendredi déjà na longwe en tout cas bosala na lombango na bato balingi ba soutenir biso pwete musale sale mamalamu na mwa ba drapeau 10 drapeau 15 drapeau po biso bato ngai par exemple na zolonga vendredi na ko freiner na kwango na ko freiner na pont kwenge na ko freiner na banzela nzela kotika kote ya peuple congolais pote peuple congolais a changé bino mobo yebi malamu ke peuple congolais ba te ya kayi ba tabandundu plutôt biso ba tabandundu le ba koza la éveiller ou soit aux ana maturité tala le lone ba tabandundu ba dinga ba za la pencher na tribalisme ya deux temps ele ki na bandundu ba kosi peuple bandundu mingi maintenant soutien na bino ko sunga biso parce que avant Jean-Marc Kabunda akoma na kacha Kikwit biso équipe d'avant ko koma to banda ko leka na ba radio oh et singa to pesa pona ko mobiliser peuple tobanda kolega na ba télévision locale na ba FM ya ba Kikwit côté ya peuple congolais ko sala mobilisation nyoso wana e ko singa biso alors mutu ya mawa oya moni je crois bino mobo na di Jean-Marc Kabunda nani ogisela buya soutenons nous peut-être mobilisation sala malamu c'est notre campagne pour nous conserver pouvoir le plus longtemps possible merci beaucoup mais yambote tozolo ba parce que lelo tozali ka na titre moto ni to solo la bino les trois émissaires de Joseph Kabila chez Tshisekedi. Alors, tu vois, il y a un rôle qui est là. Kabila est une politique d'arrogance. Kabila est une politique d'orgueil. Il y a une autre introduction. Il faut prouver le corps, le bataille, le corps, les alliés, le talaboui. Après le corps, Kabila nie que Atika la colobate. Heureusement que Jeune Afrique va enregistrer l'audio de Kabila. Tant que je suis un corps, malgré Kabila Wangani, parce que le peuple congolais. Et Sengeli boye ba lelo que Kabila wangani albi ke atikala ko lobate ke ko reza mais jeune Afrique pa contredire ba lobi non biso to ki ko sala interview te mais kaka ba député ya FCC bango moko na ba sénateur Kabila yambaki o bazako ko sa ye loyauté pe fidélité bango moko de ba memeli biso audio oyo Kabila ko lobaka ke tozali na nini oyo tozali na na accord Kabila wangani yango alors toko tana sije na biso après que ça la politique ya arrogance après que ça la politique ya loyenge politique ya orgueil Kabila maintenant a décidé que tinda les trois émissaires et pas ya Denise Nyakeru qui est la femme la première dame de la République démocratique du Congo la femme du chef de l'État
va profiter maintenant, va profiter pour nanini, pour va profiter, va monique. Le quoi la présa Félix Tshisekedi, azo le candidat, to profiter to kendo mona maman peut-être, maman a rosa a remémé la biso Clémence Naé et pas à mobali na. Nazo bisayo, va luki na présa Félix Tshisekedi amba bango parce que coopération Kabila zala ki banda ki le débit. Il avait d'abord délégué le premier ministre Emmanuel Kamba, il avait délégué la DALA, cette dame de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, il avait délégué Alexis Thambwe Mwamba. Mais les trois là, le président de la République a bengana ki bango yamba ki bango te, parce que le président de la République a tigali serein, très décisif pour la Koloba été, que ça la nuit soit été, Moussale et Salma pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, yamba ki bango te. Malgré politique, aucun n'est dans le belabino peuple congolais, malgré politique, moi, yaba l'olendo inutile, politique, moi, yaba arrogance inutile, maintenant, voici les noms. Il y a Bato Kabila Tindi et pas Mama Denise. Niakeru, pour n'a qu'il n'y a là. Il simili Kabila Zolé là, à travers le ministère Naye, pour n'a qu'il n'y a pas de président de la République. Il y a un peu de temps, on l'a encore, après consultation avec le président de la République, on l'a encore, on l'a encore, on l'a encore, on l'a encore, on l'a déclaré, on l'a dit, à 5 rencontres, il y a président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Non, biso peuple déjà tout boy, parce que tout ça, c'est certain. Que consultation on a, et ça dit pour l'intérêt na biso. Peuple congolais, soutenons le président Félix Tshisekedi. Peuple congolais, sécurisez le président Félix Tshisekedi par des prières. Biso to boy raconte. Donc, na kata de marche on a, ba émissaire ya Kabila, oya tindi, tout en anan ba kombo na bango, pour le peuple congolais ayeba. C'était hier, à 23h, où première personne, ezala ki Jeannette Kabila, deuxième personne, émissaire Kabila, ezala ki Théodore Mugalu, oyo azali, chef de la maison civile, il y a Kabila, à l'époque Kabila est président de la République. Troisième maintenant, Ezali Antoine Gonda. Antoine Gonda, au Bazali Batoyo, Kabila a délégué qui peut être contre le président Félix Tshisekedi. Avec quel objectif Bato Bakéi, Bakéko Senga, comment est-ce que le président de la République a retiré Mandouki Nassé? Parce que Mandouki a président Félix Tshisekedi déjà au téléphone. Manduke biso toko lobeza manduke akobeta batute eza manduke oboma peuple te mais manduke biso to lobeka président Félix Tshisekedi télébisi manduke likolo ezali pour l'intérêt peuple congolais pour te to assurer gratuité enseignement pour te to assurer santé à peuple congolais pour te to assurer paix ya ba nouvelle unité na domaine ya enseignement parce que belé baza ba nouvelle unité au Kabila ko sa ba futa te nde ya wana président de la République ya kena consultation wana maintenant objectif ya ba émissaire ya Kabila et pas Mama Denise Nyakeru parce que bobo ça n'a pas peuple congolais awa na debi na uchi ko yebisa bino ke tango Kabila sali premier réunion na ina batu na ina kati ya kinga kati a délégué ki ba chef ab institution o na uchi ko lo ba ya sénat ya assemblée nationale na ya primature mais président de la République ya mbaka bangote jusqu'à présent contact moko te zali entre Kabila na Félix Tshisekedi yango bozo mona Kabila zui a vertige ba lo yenge ya kende obimisa accord. Malgré cet accord-là, à Monica qui président de la République a tellement coin que n'a pas solo là, n'a pas peuple, n'a pas homme politique et sociaux pour n'a pas avoir décision à Makasi ou qu'on a la l'icône et à peuple congolais. N'est n'a yangwana peuple congolais, Kabila a profité, a tindi, bah émissaire n'aie on a ouchi otangé la bino, Jeannette Kabila, na Théodore Mugalu, na Antoine Gonda. Avec quel objectif? Objectif est Ali Moko. Comment est-ce qu'elle rencontre Félix Tshisekedi na Joseph Kabila et Ko Salema pour être batambola malam. Nde yango zomona abandina nko niya kornaye, abandina nko boya, abandina nko telemela, kongana lobaki makambo akorte, ezali biloka lokuta, preuve la puya ngona na tsindi be misère et pas madame Denise Nyakeru, nde nina ko senga Clémence naye et pas ya nani ya président Félix Tshisekedi. Donc objectif ya batwana ezalaki po comment est-ce que bako luka moye Kabila akutana président de la République. Biso toza très sage, toza très intelligent, to yebi ba kop no subino bozo sala contre le président de la République. Il n'y aura pas les rencontres entre Tshisekedi et Kabila. Il y aura seulement la dissolution de l'Assemblée nationale ou avoir la nouvelle majorité parlementaire. On nous se zoya eza makele la pamba, eza ba bozo ba pamba. Alors, na koyebi sa peuple congolais ba obazo landa biso ezalaki moi biloko oyo biso to linga to loba kosola na bino pour te boye ba situation politique nenge zokene. Donc dans quelques heures après des consultations d'aujourd'hui et de demain peut-être après demain vous allez écouter des grandes décisions prises par le président de la République. Peuple jour wana ko zala fête peuple bo sepela. Bon moi que Félix Tshisekedi n'était pas un imbécile. Félix Tshisekedi n'était pas un indiscipliné nenge batumusu bazako kanisa ye. Félix Tshisekedi n'est pas un homme faible.
mais Félix Tshisekedi azali na posa ya batu nyoso baya na batu nyoso wana baye babandi ko trahir na Genève babandi ko trahir partout. Alors le président Félix Tshisekedi a pris une décision. Peuple congolais singeli boye baboye, il y a une différence entre concertation et consultation. Le président de la République est tenté de consulter, c'est-à-dire il a des décisions à prendre, mais avant de la décision wana alzana posa ayoka avia moto na moto par rapport à ma décision en cause. Donc faites confiance au président de la République, vous ne serez pas déçu. Mais singeli boye baboye, les trois émissaires, il y a Joseph Kabila et pas madame Nyakeru, Denise qui est la première dame que j'ai salue en passant, notre maman nationale. Maman Denise Ayambi Bangote. Wana na ligne na précisé wana. Maman Denise Ayambi Bangote ayoki bango pe atako yokate. Alobi le passé c'est le passé. Maintenant nous voulons consulter bato bazana pour ça travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Donc les FCC et aux abois peuple congolais ba wangani accord na bango ba publier na ba réseaux sociaux. Kabila yongo wa wangani yango. Donc pour na yebisa bino ke boza la calme stratégie au président Félix Tshisekedi ya memaki esa stratégie mo kwa kitoko pour na kobimisa peuple congolais na libulu oya. Voilà en quelques lignes likamutolinga to ya to solola na bino pendant 15 minutes seulement pour na recadrer bat oyo bazai na posa ba kanisi ke président Félix Tshisekedi azali faible tala lelo par exemple ba consultation bandi les 6 Moïse Katumbi azoya pour être consulté. Ozoland, lelo oyo Marte Falouye wana kuna bandi ko lela lobi asobu ka pe président de la République a consulté. Ce n'est pas un problème, mais biso problème na biso ezali nini? Biso problème na biso ezali mboka na biso etongama. Mboka na biso ekende liboso. Merci na bande ko nyoso balanda biso na kati ya sangwa Congo. Merci na bande ko nyoso basokola biso sepela na biso. Lelo to yaki vraiment une mission ma kasite parce que bomoni biso bino ma to wuti déjà parlement debout, to wuti na matinée politique oyo le secrétaire général pe sibino ba précision. Il y a départ, il y a Jean-Marc Kaboum, autre qui fête journée de la base, les 12. Le lona yaki karake, le quoi la communicateur à bino, à chaque fois, information est obima, monsieur photo, il y a pour te informer, bino, que, bah, trois émissaires, il y a Joseph Kabila et pas Tshisekedi, bah, zala qui décide Tshisekedi à Yambi Bangote, maman Denise Nyakori pour Yambi Bangote, face, il y a président de la République, maintenant, tout Kennedy Bosso, n'a pas consultation. La carte à consultation, on a, vous épargnez. À ta prérogative morote constitutionnelle au EPC président de la République pouvoir. Ma prérogative constitutionnelle à président de la République par rapport à ma consultation à Sengi et Zami Balé. Il y a l'article 69 ou bien l'article 148 de la Constitution. L'article 69, où il y a bien l'arbitre de bon fonctionnement réglé dans une session. Et l'article 148, où il y a EPC plein pouvoir et audition de l'Assemblée nationale au cas où il y a des crises. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous soutenir. Tout ça déjà, ma collègue, déjà dans cela. Pour la vie de Kikwit. Na répété en haut, na kasa Kikwit ba kosa batu, na ba mythe. Ba mythe eza nini, eza croyance mokobudo, eloko mokobo batu ba zon dima, mais eloko mokobo eza lokuta. Nazo pe sabino quelques exemples, oh nazana musale bele, ta on nazo kenda na teya batu, na ba radio locale, na ba télévision locale. Ba kosi batu, na Kikwit, na situ le graba nondo. Ba kufere kouar, ba gona ba evenema misatu, na komi ko chite, na gana komi ko chite, pour nous expliquer bino, comment est-ce que musala nazana ngo eza mounene. Ba frère, ba nous déléguons à trois étapes. Première étape, c'est l'étape ya Moulele. Moulele plutôt. Il y a rébellion, il y a Guillaume Moulele. Vous voyez, madame, que Guillaume Moulele, aza premier africain, ou a bandi makambo a rébellion en Afrique. Et bandi na Congo, na ba Guillaume Moulele. Après 1960. Et le Bandundu est la première province où il s'occupe makila nae, na par rapport, il y a rébellion Moulele, aza ou sa la pona hôtel et ba mobot. Tala ne ba faire croire, ba tabandundu. Ce que le bimoule les mailles, c'est que vous avez été. Vous croire dans le message, vous avez croire dans des ordres, vous avez croire dans des ordres, vous avez faire croire dans les mythes, vous avez croire dans les ordres, deuxième étape, vous avez croire dans les et l'étape est Antoine, il y a Antoine qui s'en. Vous avez un livre d'or. Livre d'or, vous avez croire dans les livre d'or. Oh, ceux qui a commis président de la République, a commis premier ministre, Bandundu Kobonga, Congo Kobonga zana livre d'or. Mais Bapesa Palou, à travers Antoine Kizenga, primatire, Adolphe Muzito Ouzango, peuple congolais, peuple Bandundu partout Bozola Ndabiso, Lelo, la grande ville de Kikwit, Tozala Atana Morgote. Troisième étape, Eye, oh, bah, faire croire Batonabaluenge, étape ya Nani, ya Marte Fayou. Ou aye koumemana M.
na tribalisme na kacha mboka oyo même pendant la campagne ya président de la République akenda kate ndé yango na pike bato nyoso pamoni ke message Jésus bango tozana role makasi na za communicateur na bino na vile kikwito zoke nitozoke ni roteya to roteya pamba te bande ku États-Unis bo prometant la plus de 1000 drapeaux il est grand temps que to tambola bande ndo ebele j'ai besoin vraiment ya befiji ya ba drapeaux po to kende liboso to tonga mboka merci beaucoup. Na bandeko nous balandi biso na kati ya sangwa Congo boister ce que vous avez retenu c'est quoi pour y ba beke le troisième misère ya naibango parce que biso elongi et comme kaka na consultation pour être tout travailler pour l'intérêt peuple que Dieu bénisse la République démocratique du Congo que Dieu bénisse le président de la République démocratique du Congo au revoir et à bientôt pour la vie de Kikwiti bye bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus. Agnès Moade et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux, de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Beleshai Kassanda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.